tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser une gourmandise venue d'Italie avec seulement 3 ingrédients. Si ça vous dit, restez avec moi. Donc il nous faudra des noisettes, du sucre glace et du chocolat au lait ou du chocolat noir. Donc moi je mets que 100 grammes pour indication, je préfère comme ça. Je vais mettre d'abord mes noisettes à torréfier à 180 degrés jusqu'à ce que la peau devienne noire et que je puisse la détacher entre mes doigts. Donc, vous retirez la peau. Vous voyez, c'est très facile si c'est bien torréfié. Je mets mes noisettes dans un mixeur et je vais mixer jusqu'à avoir une texture très liquide et huileuse. Donc, en fait, on va faire huiler les noisettes. Je rajoute le sucre glace et je mixe de nouveau. Donc le gianduja en fait est une préparation à base de chocolat qui peut permettre de fourrer vos petits chocolats ou même en pâtisserie. Je vous mettrai des idées de recettes en barre d'infos. Je mets ensuite mon chocolat fondu, je mixe à nouveau et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à verser dans un récipient chemisé de papier film et de laisser cristalliser. Donc ça se conserve très bien dans une boîte hermétique pendant 2 mois. Mais bon, c'est tellement bon qu'on les mange très 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 rapidement. On le finit très rapidement. Et voilà, il vous reste plus qu'à le découper en petits morceaux et à le déguster. J'espère que la recette vous a plu. En attendant une prochaine, régalez-vous. Ciao ciao.